Tout le monde, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo temps du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 février 2016. Aujourd'hui donc le temps est déjà enneigé, autant le dire comme ça, même si ça ne tient pas. Et bien là il est 11h20 et puis vous pouvez voir que cela tombe, des flocons tombent. Depuis ce matin la neige tombe, bon des fois elle était plus faible qu'à d'autres moments. Mais là, elle tombe un peu mieux et... Bon, malheureusement, ça tiendra pas, mais au moins, on a le mérite de voir un peu de neige tomber, surtout en journée en plus. C'était pas encore arrivé cet hiver. D'ailleurs, c'est bon de noter que les flocons se multiplient par ici en ce moment. Donc, faut voir après si ça va continuer. Ce qui serait bien, c'est que les flocons grossissent davantage. Ça pourrait nous permettre de mieux... moi, ça pourrait me permettre de mieux vous filmer. Vous filmez ça, quoi. Puis donc, voilà. Combien il a fait ce matin? Il a fait moins 2. J'ai relevé moins 2 degrés en minimal. Pour ce qui est de la température actuelle, il fait... Attendez, je regarde. 1 degré. 1 degré pile. Minutes après la petite séquence que je vous ai filmée, vous pouvez voir que la neige continue, enfin les flocons continuent d'être de plus en plus gros, et là du coup ça rend une neige qui devient sympathique, hein. Je vous montre un petit peu vers le ciel, voilà. Donc j'espère que ça va être encore plus gros, parce que je sais que c'est possible. Pouvoir obtenir comme ça une belle vidéo. Oh, du coup ça c'est vraiment le temps du jour spécial neige aujourd'hui, hein. Mais pourquoi pas, c'est toujours intéressant je pense. Première vraie neige de l'année tout ça, hein. Enfin de l'hiver je veux dire. Ça continue. 11h50. Vous voyez, pas mal de flocons visibles quand je vous mets là-haut. Notamment là d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça s'accélère un peu. Enfin bon, bien entendu, ça ne finirait pas en tenue, hein. Les sols sont mouillés. Ça va empêcher une tenue. Par contre, il faudra faire attention au verglas, par contre, ça c'est sûr. Parce que ça peut être assez glissant la nuit prochaine, hein. 13h, donc là, finalement, la neige s'est bien calmée. Donc il reste encore quelques flocons, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui tombait tout à l'heure. Là, à mon avis, je pense que ça va bientôt s'arrêter. Ou du moins, ça va se transformer en pluie. Point de vue température, fait 2 degrés. Donc, c'est une température assez froide encore pour l'heure qu'il est. Mais en tout cas, il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. 14h, donc là, vous pouvez voir que le temps, voilà, est très nuageux. Qu'il reste encore de rares flocons de neige, mais que globalement tout s'est arrêté. Les sols sont bien mouillés, donc le verglas va vraiment se faire sentir, je pense. Surtout la nuit prochaine, bien entendu. Donc voilà, vous voyez le temps très nuageux. Voilà, voilà, voilà. 15h, donc là vous pouvez voir que le temps
est encore une fois nuageux, mais que cette fois-ci, globalement, nous passons à de la pluie. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus vraiment de flocons, c'est plus de la pluie. Donc voilà, comme prévu, hein, en même temps. Il y a quand même un brouillard très, très épais face à ça, on peut voir, hein. Vous ne voyez même plus la tour Perret, c'est impossible. Enfin, si, si, un petit peu quand même là-bas. Un tout petit peu, mais elle est quasiment cachée complètement. Et pourtant, bah, les précipitations ne sont pas fortes pour autant. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même encore quelques flocons de neige qui se baladent un petit peu, mais sinon, c'est fini. Point de vue température, il fait 4 degrés. Voilà. 15h50, donc là vous pouvez voir que par surprise, enfin globalement par surprise, la neige retombe et sur des flocons qui sont encore plus gros que durant ce matin et même cet après-midi du coup. Vous pouvez voir que les flocons sont donc beaucoup plus gros, je vous montre un petit peu là-haut. C'est beaucoup plus sympathique d'ailleurs à regarder et à filmer, puisque là vous voyez que ça neige vraiment bien et que a priori bah il y a une averse, une forte averse pas loin, donc ça pourrait neiger encore à plus gros flocons. Donc bah je suis ça actuellement. D'ailleurs je suis avec Météo Info 41 Vincent, voilà, petite dédicace pour lui. Puis voilà, donc là ça neige bien et j'ai l'impression que ça va continuer, hein. Par contre les sols sont très mouillés, donc je crains que ça ne tiendra toujours pas, hein. En tout cas oui, là ça neige bien. C'est très intéressant. 16h15, donc là c'est la dernière petite actualisation puisque mon téléphone déjà pour commencer est déchargé. Je préfère d'ailleurs filmer avec le téléphone parce que mon appareil photo, je dois faire des réglages pour que la qualité soit meilleure. Et puis par la même occasion, le temps reste le même et la température commence à baisser. Donc du coup, combien il a fait aujourd'hui? Il a fait moins 2 degrés en minimal et plus 2 en maximal. Ce qui correspond donc à une température hivernale et qui est inférieure au normal aussi. Point de vue temps, donc il a neigé en matinée, il a neigé et plu en après-midi, et en cette fin d'après-midi, cela reneige à nouveau. Et puis voilà. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce petit temps du jour spécial neige. Malheureusement, bon, il n'y aura pas eu la tenue que j'aurais pu espérer pour faire ça en vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, sinon pour tout le monde vous pouvez aimer la vidéo. Et puis bah, quant à moi, je vous retrouve à très vite, normalement pour l'orage du 6 au 7 juin 2013. Voilà, à très bientôt.